Merci beaucoup à tous les deux de m'avoir convié à la, de m'avoir convié à ce séminaire. Je suis très heureuse de pouvoir servir d'alibi médiéval et du coup de pouvoir vous parler un petit peu de ces mendiants au Proche-Orient. Donc, nous allons parler donc ce matin des vecteurs de l'intégration mendiante à la société proche-orientale chrétienne et islamique. Je vais parfois utiliser les dénominations qui sont les dénominations propres aux différentes communautés chrétiennes présentes au Proche-Orient. Je vais m'efforcer de les définir le plus précisément possible, mais s'il y a, j'imagine que vous n'êtes pas tous tout à fait familiers avec la galaxie des chrétientés et des églises orientales. Donc, si jamais il y a des problèmes, n'hésitez pas même à m'interrompre pour que je revienne et je précise certains points. Alors, quelques remarques introductives sur un indispensable décloisonnement pour insister sur l'aspect méthodologique qui, me semble-t-il, est au cœur des préoccupations du séminaire. Alors, vous voyez ici quelques photos qui ont été prises. Alors, c'est de là lors des célébrations de la Pentecôte donc à Jérusalem en 2019. Selon le compute orthodoxe, puisque vous savez que donc aujourd'hui il y a deux computes, donc deux façons différentes de dater les principales fêtes de la chrétienté. Et ici, c'était donc le 16 juin, me semble-t-il, donc une semaine après les célébrations catholiques, c'est-à-dire franciscaines, qui s'étaient déroulées le 9. Et ici, vous avez une photo des Éthiopiens qui descendaient du mont des Oliviers avec ces célébrations. Alors là, vous n'avez pas le son, et puis ce n'est pas une image dynamique, mais qui descendait du mont d'Olivier en chantant, c'est toujours très très gai comme célébration, et en dansant, en frappant dans leurs mains. Et ici, une image des Arméniens au Cénacle, qui est un site custodial, c'est-à-dire qui est sous la responsabilité de la custodie franciscaine de Terre Sainte, nous allons en reparler, et qui est prêtée par les franciscains aux Arméniens pour les célébrations de la Pentecôte. Et ici, vous avez une photo qui a été prise lors de l'installation que j'ai prise, il se trouve que j'étais là à chaque fois, c'est des photos que j'ai prises lors de l'installation du nouvel évêque Melkite de Jérusalem en juin 2018. Alors, donc, avant de... Donc, pourquoi toutes ces photos? Déjà pour juste insister, hein, vous sensibiliser au fait que quand on est au Proche-Orient et quand on travaille sur la chrétienté, plutôt sur les chrétientés, eh bien, on prend en compte l'ensemble des églises et donc une multitude d'églises chrétiennes proche-orientales. Pour le Moyen-Âge, ils étaient déjà fort nombreux et ces divisions remontent aux querelles christologiques des premiers siècles de la chrétienté. C'est quoi? Qu'est-ce que j'entends par querelle christologique? C'est tout simplement quand il y a eu des débats autour de l'identité du Christ. Qu'est-ce que le Christ? Quelle est la part divine? Quelle est la part humaine? Tout cela a été tranché au Concile de Chalcédoine en 451. Deux églises adhèrent aux conclusions du Concile de Chalcédoine. Ce sont les églises latines, Rome et grecque, Constantinople. Toutes les autres refusent et sont donc considérées comme des églises non chalcédoniennes, c'est-à-dire la majorité en fait, hein, des églises. Seules deux souscrivent aux conclusions de Chalcédoine et les autres les refusent. Et aujourd'hui, tout cela est encore plus compliqué puisque depuis la période moderne, notamment depuis l'union de Brest, alors Brest-Litovsk, hein, pas très loin de Nantes, eh bien, chaque église orientale est séparée en deux avec une partie orthodoxe qui demeure, si vous voulez, fidèle à la christologie non chalcédonienne, et une partie qu'on va appeler catholique, c'est-à-dire qui reconnaît l'obédience pontificale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, au Caire, vous avez deux papes, vous avez le pape orthodoxe, copte orthodoxe, et le pape copte catholique, pour dire, le patriarche du côté catholique. Donc, une multiplicité d'églises. Et cela me conduit à revenir à ces questions d'Occident et d'Orient pour vous dire que pour étudier, à mon sens en tout cas, c'est dans ce sens que je vais avec quelques autres, que pour étudier notamment la part des Latins, des Romains, de ceux qu'on appelle aujourd'hui les catholiques, donc les chrétiens de rite latin au Proche-Orient, eh bien, il faut les étudier loin de l'occidentalocentrisme précisément et dans un contexte qui est le leur quand ils sont au Proche-Orient. Donc étudier ce qui va changer les choses par rapport à la recherche que je vous expose aujourd'hui, ce qui rompt par rapport à l'historiographie traditionnelle, c'est que plutôt que d'étudier les mendiants
par rapport à leur contexte occidental, donc dans leur relation avec la papauté, dans leur relation avec l'ordre, eh bien, je m'efforce de les étudier dans leur contexte proche-oriental, pour ceux qui sont présents au Proche-Orient, de manière continue, de manière pérenne ou de manière provisoire. Donc, un indispensable décloisonnement, travailler sur les franciscains, travailler sur les dominicains, certes, mais travailler sur les franciscains et les dominicains en relation avec l'ensemble des églises qui sont présentes au Proche-Orient. Donc, indispensable décloisonnement, et puis ne plus regarder la situation du Proche-Orient et la situation des latins au Proche-Orient depuis un point de vue occidental, mais dans un contexte proche-oriental. Je vous donnerai un exemple de ce que cela change par rapport au statut des franciscains, notamment dans la dernière partie de cette présentation. Donc, impossible cloisonnement, indispensable décloisonnement, faire attention aux écueils de l'occidentalocentrisme, et cela nous conduit à utiliser une notion déjà ancienne, mais que l'on réutilise beaucoup aujourd'hui, qui est la notion d'Islamic at World, monde islamique, si on veut traduire, même si on n'a pas vraiment d'équivalent en français. Alors, quelle est cette notion d'Islamic at World? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans nos représentations, quand nous parlons de monde islamique, on pense à quoi? On pense à islam avec un i minuscule, c'est-à-dire à musulman. Monde islamique égale monde musulman, ce qui n'est absolument pas le cas, et ce qui n'est surtout pas le cas pour la période médiévale. Quand on parle de monde islamique, ça veut dire qu'on intègre précisément les non-musulmans. Étudier le monde islamique, c'est étudier le monde donc islamique en intégrant les non-musulmans, c'est-à-dire les musulmans bien sûr, mais également l'ensemble des communautés qui ne sont pas musulmanes, donc ceux qui sont sous le statut de la dhimma ou de l'aman, nous y reviendrons. Donc la dhimma, donc le pacte de protection, l'aman, le sauf-conduit que l'on va donner aux voyageurs temporaires dans le Dar al-Islam, dans la maison de l'islam. Cette notion d'Islamic at World, elle est à mon sens très importante parce que ça va nous permettre d'insister sur le caractère intrinsèquement divers du monde islamique et des sociétés islamiques. Ce caractère intrinsèquement divers des sociétés islamiques, nous le perdons beaucoup de vue, notamment enfin, le grand public aujourd'hui le perd de vue, et particulièrement dans le contexte qui est le nôtre. Donc vraiment insister sur ce caractère divers du monde islamique et non pas un monde islamique qui serait monolithique et n'incluant que les musulmans. Donc voilà pour ces quelques remarques introductives. Et pour essayer d'illustrer hein, ces questions-là, et pour essayer de voir ce qu'apporte précisément ce point de vue et cette méthodologie à l'étude des mendiants au Proche-Orient au XIIIe et du XIIIe au XVe siècle, nous allons prendre trois cas d'étude. Nous allons travailler sur l'exemple d'un missionnaire, Ricoldo da Montecroce, sur l'exemple d'un pèlerin, Jacques de Vérone, et enfin, plus largement, sur la question de la fondation de la custodie franciscaine de Terre Sainte dans un troisième temps. Alors, commençons par l'exemple de Ricoldo da Montecroce, qui est un missionnaire florentin de la fin du XIIIe siècle, qui va rester une dizaine d'années. Il part en 1288 pour le Proche-Orient, et puis il va ensuite aller plus encore à l'est dans les terres des îles Han, au long de cette mission donc très longue au Proche-Orient. Alors pourquoi il est intéressant pour nous, et notamment dans la perspective de ce qui nous intéresse ce matin? Eh bien, c'est parce que comme il va rester 10 ans, 11 ans, 12 ans, on ne sait pas exactement quelle est la date de son retour à Florence, où il va devenir prieur de Santa Maria Novella, eh bien, pendant ce séjour, il va apprendre sur place l'arabe et le syriaque, et il va devenir notamment un excellent arabisant. Et nous allons voir cela dans un instant. Alors, sur un plan pratique, ce que vous voyez ici dans cette citation du Libellus ad Nationes Orientales, alors il a laissé plusieurs œuvres, Ricoldo da Montecroce, et notamment ce Libellus qui est une sorte de manuel à destination des missionnaires qui vont prendre la route après lui, une sorte de manuel. Et d'ailleurs, il recommande dans l'introduction du Libellus, dans le prologue, eh bien de le reproduire en petit format, en format poche, pour qu'il puisse être emporté aisément par les missionnaires qui vont partir après lui pour le Proche-Orient. Et il édicte cinq règles pour guider les pas de ses futurs missionnaires dominicains. La première de ces règles, c'est l'apprentissage des langues. Apprentissage des langues, alors les arabes, donc la langue arabe, mais aussi le dialecte. Quand il parle de dialecte ici, il parle du syriaque.
Donc, apprentissage des langues. Alors, pourquoi apprentissage des langues? Pour mieux connaître l'autre, bien sûr, pour pouvoir prêcher directement dans la langue de l'autre. Les missionnaires se méfient beaucoup et, d'après leur récit, manifestement, à raison des interprètes, qui sont tout à fait compétents pour aller, pour traduire les mots de la vie courante, mais bien sûr, qui le sont beaucoup moins pour traduire des concepts théologiques. Et on le comprend bien, hein, toujours cette difficulté de faire passer un concept théologique d'une langue à une autre. Et il va illustrer cette difficulté par, et surtout les implications de cette difficulté par une longue discussion sur la question de la traduction de la notion de personne, précisément pour revenir sur ces débats christologiques dont je vous parlais en introduction. Pourquoi est-ce qu'il insiste sur ce débat autour de la définition de la notion de personne? Eh bien, parce que précisément, c'est ce qui est au fondement de la division entre les églises qui vont adhérer à Chalcédoine, donc l'église latine et l'église grecque, qui sont considérées comme appartenant à une même église qu'on appelle l'église catholique, hein, qui comprend les grecs et les latins. La séparation va se faire progressivement entre les deux. Elle sera consommée lors de la quatrième croisade, hein, prise de Constantinople par les croisés en 1204. Mais on a au départ, hein, ces deux églises qui appartiennent à cette même église, église catholique, qui signifie universelle, et puis toutes les autres qui vont refuser les conclusions du concile de Chalcédoine. Et que dit Ricoldo? Eh bien, il dit que, sur un plan théologique, la division des langues et des doctrines sont liées, et donc partant le sont également l'unité de foi et la capacité de parler la langue de l'autre. Et donc il développe ici, dans la citation qui apparaît, l'idée d'une unification théologique par la concordance des langues. C'est-à-dire que il discute ici, alors il n'est plus dans le même ouvrage que tout à l'heure, nous ne sommes plus dans le Libellus Annationalis Orientalis, nous sommes dans la Peregrinatio, c'est-à-dire le récit de sa pérégrination. Alors c'est quoi cette pérégrination? C'est dans un premier temps un pèlerinage. Première partie du récit qui est en fait sous la forme d'un récit de pèlerinage classique, notamment à Jérusalem et sur les lieux saints. Et puis ensuite, récit de sa mission. Donc je vais vous montrer une carte dans un instant. Il va aller un petit peu plus loin vers l'est et notamment à Bagdad. Notamment à Bagdad. Dans le récit de la pérégrination, eh bien, il va discuter longtemps la terminologie religieuse de qui? Des chrétiens syro-orientaux, ceux que les latins appellent les nestoriens. Alors, ces chrétiens syriaques-orientaux, syro-orientaux, ils vivent dans les parties orientales, hein, du Proche-Orient et plus encore, et même plus encore là, c'est ceux qu'on va retrouver notamment enfin, chez les Ilkhans, donc chez les Mongols. Ce sont ceux qu'on retrouve en Inde aussi, hein, qui vont évangéliser dès le 4e siècle l'Inde. Donc, ces chrétiens syro-orientaux, alors eux, ils vont faire sécession, en quelque sorte. Ils vont se séparer des autres églises un petit peu avant le concile de Chalcédoine, lors du concile d'Éphèse en 431, toujours au sujet de la question de la nature du Christ. Et donc il dit en gros que la division entre ceux qu'il appelle les Nestoriens, donc du nom de Nestorius, qui est condamné donc au concile d'Éphèse, que la division entre ces chrétiens syro-orientaux et les églises chalcédoniennes est en fait une division purement terminologique. Que le problème est uniquement terminologique. Et ils discutent la notion de personne en chaldéen, en grec, en arabe, et en fait, il dit qu'ils disent la même chose et que c'est juste un problème de langue, c'est uniquement un problème linguistique. Donc, ici, la compréhension et la traduction des concepts théologiques permet de faire passer une parole jugé hétérodoxe dans un discours jugé orthodoxe, le même sens transitant d'une langue à l'autre. Ici, les compétences linguistiques du missionnaire deviennent un instrument du dépassement de la distance qui le sépare de ceux qu'il est censé ramener dans le giron romain. Ce qui nous intéresse plus particulièrement encore dans ce passage, c'est que cette réflexion pourrait lui avoir été directement inspirée par un passage de la quatrième partie du livre de la Colombe, d'un évêque syriaque, cette fois non pas syro-oriental, mais syro-orthodoxe, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Jacobites, d'un évêque syro-orthodoxe, qui est extrêmement célèbre, hein, Bar Ebraeus. Alors, c'est la citation que vous avez, on va juste réduire un instant, c'est la citation que vous avez ici. Je me suis persuadée que le désaccord existant entre les chrétiens ne s'appuie sur aucune réalité, mais seulement sur des mots et des termes conventionnels. Alors,
Donc, ici, Barre et Braillus développe une pensée assez similaire à celle de Rigaud de la Monte Croce. Alors, pourquoi, sans revenir sur la terminologie d'Acnum et de Sciax, alors, pourquoi est-ce qu'il pourrait y avoir concordance entre les deux hommes? Il faut pour ça revenir au trajet qu'a suivi Rigaud da Monte Croce. Donc vous voyez ici, donc c'est une carte que j'ai réalisée pour un atlas des mobilités. Vous avez ici son arrivée donc à Acre, la partie là qui va être une partie donc de pèlerinage. Il part ensuite en Cilicie, c'est-à-dire en Arménie, et puis il va donc poursuivre sa pérégrination en Perse, donc il passe par Tabriz, et puis il revient dans le pays donc des Jacobites, les Syro-orthodoxes. Il passe dans un monastère extrêmement célèbre, qui est le monastère Saint-Matthieu, Marmata ici, le monastère Saint-Matthieu, Marmata, où il rencontre le patriarche des Jacobites et il discute avec les frères de Marmata et le patriarche et il fait le récit de sa tentative hein, de ramener tout le monde dans le giron romain. Alors, donc il est passé par Marmata. Pourquoi c'est intéressant pour nous par rapport à Barre et Braillus? D'abord, les deux hommes sont contemporains. Donc Barre et Braillus écrit le livre de la Colombe autour de 1280, d'abord en syriaque avant de le traduire lui-même en arabe. Et Ricoldo part pour le Proche-Orient en 1288. Et quand Ricoldo se rend donc à Marmata, eh bien il va arriver dans un monastère où est inhumé Barre et Braillus. Barre et Braillus est mort en 1286. Il meurt à Maraga, la capitale des îles Han de Perse, et le siège du catholicossat, donc des chrétiens syro-orientaux. Et son corps est ensuite rapporté donc à Marmata où il est enseveli. Ricoldo, donc, qui est, vous le voyez ici, entre 1290 et dans la deuxième année, dans la deuxième moitié de l'année 1290, début 1291. Il y rencontre le Mafrien syriaque, donc le chef des Syro-orthodoxes, Grégoire III Barsomo, qui est le frère de Barre et Braillus, et Ricoldo, qu'il prêche sur place en arabe sans interprète. Alors, il est tout à fait possible qu'il ait eu connaissance du livre de la Colombe dans sa traduction arabe. Et qu'ici, Grégoire III Barsomo, donc le Mafrien syriaque, frère de Barre et Braillus, ait communiqué et montré, effectivement, ou en tout cas, oui, en tout cas au moins montré, cette copie du livre de la Colombe, en tout cas dans la traduction arabe de son frère, à Ricoldo da Monte Croce. Il y a donc coïncidence de lieu, coïncidence de texte, coïncidence de temps, emprunt direct. Il va falloir que je travaille de manière un petit peu plus, là je viens juste de trouver ce rapprochement, il va falloir que je travaille un petit peu plus précisément sur le livre de la Colombe pour dire s'il a pu y avoir emprunt direct ou non. En tout cas, il y a manifestement une communauté ici de textes et de pensées entre les missionnaires, qu'ils soient latins ou syro-orthodoxes dans le cas de Barre et Braillus. Donc voilà pour Ricoldo da Monte Croce et pour, vous voyez, l'intérêt des langues pour faire transiter un savoir d'une langue et d'une culture dans l'autre. Deuxième exemple que nous allons voir, c'est l'exemple de Jacques de Vérone, qui est un pèlerin qui appartient à l'ordre des ermites de Saint-Augustin. Donc il appartient à l'ordre des ermites de Saint-Augustin, donc un autre ordre mendiant, et lui, il se rend donc au Proche-Orient en 1335, c'est-à-dire au moment où reprennent les pèlerinages. Interruption des pèlerinages, pourquoi? Eh bien parce qu'en 1291, Al-Ashraf Khalil, sultan mamelouk, s'empare d'Acre, la dernière place forte du second royaume de Jérusalem. Ce n'est pas tout à fait la dernière à être évacuée, ce sera Attite, toujours par les Templiers, mais c'est vraiment la chute d'Acre hein, qui marque la fin de la domination, de la présence, plutôt que la domination, parce qu'il ne domine plus grand-chose à ce moment-là, la fin de la présence franque au Proche-Orient, sur la côte proche-orientale. Et donc, suite à la chute d'Acre en 1291, les pèlerinages s'interrompent pendant plusieurs dizaines d'années, ils reprennent dans les années 1320-1330, et c'est dans ce contexte qu'arrive Jacques de Vérone. L'année 1335, elle est intéressante aussi parce que c'est l'année où le sultan mamelouk va concéder un terrain à Jérusalem sur le mont Sion aux franciscains. Nous y reviendrons dans un instant. Jacques de Vérone, alors, il n'apprend pas l'arabe comme le fait Ricoldo da Monte Croce. Il va rester juste quelques mois au Proche-Orient. En revanche,
lui-même va utiliser des termes arabes, en tout cas la translittération, ce qu'il entend et ce qu'il arrive à transcrire en caractère latin, de termes arabes, pour désigner des réalités qui n'ont pas d'équivalent en Occident. Quand ces réalités n'ont pas d'équivalent en Occident, il va chercher à donner la terminologie arabe à ses lecteurs qui sont, eux, restés en Occident. Et puis, il va les expliciter, soit en traduisant, soit par des périphrases. Il le fait notamment ici pour cette embarcation, donc Zermo, qui l'a conduit du Caire à Damiette. Pourquoi? Eh bien parce qu'à ce moment-là, les Italiens sont accusés d'espionnage par les Mamelouks, hein, dont le siège du sultanat est au Caire, par les Mamelouks. Donc ça ne se passe pas très très bien pour les Italiens. Donc il va partir un petit peu en catastrophe. Et il va utiliser cette barge, ce bateau. Et donc il précise que ce bateau s'appelle Zermo. Alors, ça vient, je vous ai juste mis l'étymologie arabe ici, pour vous, par curiosité, hein, pour vous montrer d'où vient le terme Zermo. Et effectivement, c'est un terme qui est utilisé et qui est utilisé précisément à Damiette, qui n'est pas forcément d'usage courant. On le sait comment? Eh bien, on le sait grâce à Al-Makrizi, qui évoque le terme et qui précise que cette embarcation est connue chez les gens de Damiette sous le nom donc de Yurum, singulier Yarm. Et la précision d'Al-Makrizi montre bien que ce n'est pas un vocabulaire particulièrement courant, d'usage courant, et donc assez propre à Damiette. Il va refaire à peu près la même chose à propos du turban que portent donc les Sarrasins, le turban blanc ici, que portent les Sarrasins sur la tête, et il utilise le terme Melma, c'est-à-dire une grande quantité d'étoffe enroulée en rond, périphrase, pour définir le terme en question, qu'il utilise à deux reprises. Il reprend ça également pour le turban bleu des chrétiens, qu'il appelle chrétiens de la ceinture, c'est-à-dire en fait les chrétiens sous domination islamique qui doivent porter, hein, le zounar, c'est-à-dire cette ceinture par-dessus leurs vêtements pour précisément les identifier en tant que chrétiens et qu'ils ne soient pas confondus avec des musulmans. Et là, ici, deux étymologies possibles que je vous ai mises pour vous, hein, pour votre curiosité pour le terme de Melma. Donc, Jacques de Vérole indique des termes arabes qui correspondent quand il s'agit de désigner des réalités strictement orientales, soit qu'ils ne trouvent pas d'équivalent dans la langue latine, soit qu'ils puissent renvoyer uniquement à des termes désignant des réalités proches, mais pas identiques. Donc, là encore, utilisation de la langue, alors un petit peu différemment, mais quand même pour faire entendre cette langue de l'autre à ses lecteurs demeurés en Occident et pour essayer de leur faire percevoir au mieux ces réalités inconnues en Orient. Et tout cela témoigne là encore d'une modalité particulière d'intégration de ces mendiants, même de manière très, très, très temporaire, puisqu'il ne va rester qu'une dizaine de mois donc en Égypte, puis ensuite en Palestine et en Syrie, mais une intégration, c'est-à-dire cette volonté de considérer le Proche-Orient dans sa diversité contemporaine et pas uniquement dans une géographie biblique, hein, qui serait figée aux temps évangéliques. Donc une intégration de ce pèlerin à la société islamique, hein, ici on est vraiment au cœur du sultanat mamelouk, à la société islamique dans laquelle il est avec ses coreligionnaires, les chrétiens orientaux, qui y sont eux, soit comme lui de manière temporaire parce qu'ils y viennent en pèlerinage, soit de manière pérenne parce qu'ils y vivent. Et on va passer à cette troisième partie avec une troisième étude de cas qui est celle des frères de la Custodie de Terre Sainte. Alors, la situation là est un petit peu différente. Nous avons vu un missionnaire, Niccolò da Montecroce, et nous avons vu un pèlerin, Jacques de Vérone. Eux, ils sont soumis au statut de l'aman, du sauf-conduit, c'est-à-dire un visa, si vous voulez, qui est donné par les autorités mamelouks ici pour permettre la venue de personnes qui sont étrangères au Dar al-Islam et qui vont pouvoir ainsi circuler au sein du Dar al-Islam, donc la maison de l'islam. Là, c'est un petit peu différent pour les frères. Et je reviens à ce que je vous disais en introduction. Pendant très longtemps et encore aujourd'hui, beaucoup de collègues me demandent alors, quel est le statut des franciscains? Ou alors forcément, les franciscains, eh bien, c'est comme les autres, ils sont soumis au statut de l'aman, c'est-à-dire les franciscains de la custodie, c'est-à-dire au sauf-conduit. Pourquoi me disent-ils cela? Ils me disent cela parce que, eh bien, les franciscains, ils sont rattachés à l'Église romaine, ce sont des latins, et donc il est juste impensable qu'ils soient considérés comme les autres chrétiens du Proche-Orient. Donc forcément, on les rattache à l'Occident, donc ils ne peuvent avoir qu'un statut
qui est celui de l'âman, qui va régir une présence donc jugée temporaire dans le Dar al-Islam. C'est-à-dire qu'on les regarde depuis l'Occident. Ce sont des franciscains, donc ce sont forcément des Occidentaux. On les ramène à leur identité occidentale. Or, alors évidemment, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils regardent comme source? Ils regardent les manuscrits de la custodie franciscaine écrits par les franciscains, les frères de la custodie. Custodie, ça veut dire la garde, hein? Donc ce sont ceux qui sont chargés de la garde des lieux saints pour l'Église latine. Ils vont regarder des manuscrits, notamment les guides des lieux saints, qui sont à destination de qui? Ben des pèlerins occidentaux, donc ils sont faits pour des occidentaux. Et donc ça va venir évidemment renforcer cette idée d'une identité d'abord occidentale de ces franciscains qui sont vus un peu comme des expatriés hors sol, si vous voulez, au Proche-Orient. Or, si on regarde maintenant les archives, qui n'ont précisément jamais été regardées de près, si on regarde les archives conservées à la custodie, eh bien on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que ces archives, ce sont des archives islamiques. C'est-à-dire que ce sont des archives qui regroupent essentiellement des documents légaux émis par les autorités islamiques, mamelouks pour la période qui m'intéresse, mais ce sera encore le cas sous les Ottomans, émis par les autorités islamiques pour préciser les conditions de la présence des franciscains à Jérusalem et d'une façon générale au sein du sultanat mamelouk, puisque vous avez d'autres établissements en dehors du couvent du Mont Sion. Bien. Donc vous voyez que la façon de regarder et les sources que l'on va aller regarder vont modifier complètement l'objet que l'on constitue, bien sûr, et l'analyse de ceux que l'on étudie. Donc, définitivement, les franciscains, ce sont des dhimmis en terre d'islam, les franciscains, la custodie hein, de Terre Sainte. C'est-à-dire qu'ils sont sous un statut qui est exactement le même que celui des autres chrétiens, certes, qui appartiennent à des églises orientales, mais des autres chrétiens qui sont sous souveraineté mamelouk. Donc, première chose. Et qu'est-ce qu'on voit dans ces archives? On voit, je vous l'ai dit, une archive islamique avec des documents légaux. Donc, je ne vais pas m'appesantir sur ces archives. Je vous ai juste mis ici un exemple pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, pas une copie d'archives, mais vous montrer l'exemple de cette Oujda, donc du sultan Mamlouk Barzbey, qui est conservé dans son ensemble, très très beau dossier, en ce qui concerne la réparation du Mont Sion. C'est-à-dire que pour réparer le couvent du Mont Sion, donc qui a été concédé par le sultan Mamlouk aux franciscains, eh bien, ils doivent demander, en vertu donc notamment tout ce qui va graviter autour de ce qu'on appelle le pacte d'Oumar, eh bien, ils vont devoir demander l'autorisation, bien sûr, pour réparer le couvent. Et vous voyez qu'ils vont consulter de nombreuses autorités qui correspondent aux différentes madhabs, c'est-à-dire les écoles de firq au sein du sunnisme, enfin, il y en a trois qui sont présentes sur les quatre, et ils les consultent à Jérusalem et au Caire, c'est-à-dire la capitale du sultanat mamelouk. Qu'est-ce que cela nous montre ici en termes de savoir et de savoir-faire? Savoir-faire linguistique, hein, on a des gens à la custodie qui lisent l'arabe de plus en plus au fur et à mesure du temps. Il y a même un frère avec un nom arabe qui est cité dans un des documents qui est envoyé au Caire pour récupérer la décision des différentes autorités consultées au Caire, notamment l'école Hanafite, le cadi de l'école Hanafite du Caire. Et on envoie ce frère avec un nom arabe pour récupérer donc cette décision. Alors, est-ce que c'est un frère de la custodie? Est-ce que c'est un membre d'une autre église, d'une église orientale? L'histoire ne le dit pas, mais on voit bien qu'on a en tout cas ces frères qui vont servir d'intermédiaire. Connaissance de la langue pour beaucoup d'entre eux, et puis maîtrise, bien sûr, de cette question du droit islamique. Ils sont capables de savoir à qui s'adresser, de voir quels sont leurs interlocuteurs et que demander comme autorisation. Donc, vous voyez qu'on a ici, voilà, trois exemples, deux sous un statut qui est celui de l'aman, un sous le statut donc de la dhimma, les franciscains de la custodie. On voit ici l'importance des langues dans le rapport à l'autre, de la connaissance de l'autre, de la connaissance du système de l'autre, beaucoup plus poussée bien sûr pour les frères de la custodie, parce qu'eux sont là pour assurer la pérennité de leur présence au sein du Dar al-Islam. Et on voit que ces connaissances sont tout à fait essentielles pour permettre quoi? Pour permettre l'intégration de ces mendiants à titre divers au sein d'une société islamique
entendu au sens d'Islamic at World, c'est-à-dire d'un monde islamique intégrant les non-musulmans. Et donc c'est par ce biais-là qu'on peut aujourd'hui renouveler nos connaissances sur la présence de ces latins au Proche-Orient. Certains qui vont rester qui vont rester longtemps, c'est le cas du missionnaire Niccolò da Montecroce, certains qui vont rester quelques mois, c'est le cas de ce pèlerin, certains qui vont rester de manière pérenne, qui vont rester là tout le temps, c'est le cas des franciscains de la custodie de Terre Sainte. Je vous remercie.